Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre Tour d'Amiens en 80 jours, nous vous emmenons faire une balade en barque dans les Ortillonnages. Bonjour, je suis Jacques Lelier. Je suis le président de l'Association de protection et de sauvegarde des Ortillonnages depuis 13 ans. Les Ortillonnages qui existent depuis des siècles, ad historia vous situerez encore. Faisait déjà du jardin, se sont démarrés à sécher, toujours travailler des mains de l'homme pour nourrir les hommes. Donc, moralité, on a fait des fossés pour faire de l'irrigation, pour pouvoir faire pousser des légumes, etc. Alors, les grands chiffres, c'est 300 hectares, 2000 parcelles, 1500 propriétaires. Pour la petite histoire, il y a un siècle, il y avait à peu près 1000 personnes qui vivaient des ortillonnages, qui vendaient leur récolte. Il en reste actuellement 7-8. Il y a 4 ouvriers qui s'occupent plus spécialement des travaux du site, plus un Henri qui est derrière nous, et l'homme à toute main qui entretient les barques, etc. On embauche 15 ou 16 saisonniers. Il y a 22 personnes actuellement, dont 6 permanents. Et la partie touristique, donc incontournable sur Amiens maintenant, 135 000 visiteurs en 2018. Nous avons un parcours immuable de 3,5 km qui j'espère ne changera jamais pour sauvegarder la faune. 45 minutes de bonheur et de promenade offertes aux touristes. La barque est très lourde, si on tape une berge et qu'il y a beaucoup entre les deux,